Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va parler de Chainsaw Man. Avec une figurine d'Aki qui va débarquer au mois d'octobre 2023. Il fallait qu'on vous la présente parce que elle nous a fait plutôt bel effet, cette figurine. Ouais, Mythos qui fait ça, donc c'est le fabricant. Une figurine qui sortira au mois d'octobre, comme tu l'as dit, 2023, au prix de 19 180 yens, ce qui est plutôt correct, 150 euros environ. Pour ce que vous allez voir, c'est une figurine de 19,5 cm, mais d'un personnage assis. Et d'un personnage assis, pas n'importe lequel, hein, Aki. Tout ensanglanté. Ouais, avec son costard, hein, voilà, qui a été un petit peu sali, parce que je pense qu'il s'est fait attaquer, il s'est cru dans Walking Dead, The Walking Dead, le gars. Et je la trouve stylée, en fait. C'est-à-dire que la composition d'avoir cette chaise de bureau qu'on reconnaît, sa veste posée, genre, ça y est, il s'est posé après l'effort, l'épée plantée dans le sol, du sang de partout, il fume sa clope, et t'as le zombie au sol qui est totalement décapité, là. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, joyeux comme scène, hein. Mais je trouve qu'il y a une âme qui se dégage de cette figurine, ce diorama même, j'ai envie de dire. Moi, c'est le détail surtout, moi pour moi, outre vraiment cet aspect posé ou sanglant, ouais, la composition est géniale, hein. Vraiment, j'adore aussi la composition. Mais le détail de la peinture, en fait. Hein. La peinture fait beaucoup. Le sculpte est sympathique. De ce que je vois, c'est plutôt ressemblant. Les plis sont là où il faut sur les vêtements. Hein, parce que c'est beaucoup de vêtements comme ça, avec des plis et des froissures, si je puis dire. Les textures, on les reconnaît plutôt. Même si le bois, bon, c'est pas encore tout à fait ce qu'on peut faire de plus en termes de bois. On reconnaît quand même. Et le sang, le sang partout, en fait. Hein, c'est une des spécificités de Chainsaw Man. Là, le sang qui soit séché ou qui vienne de couler, c'est parfait à tous les niveaux pour moi. Tu vois, même le sang qui est dans les striures du bois, c'est exactement ça. Tu vois, une partie qui aurait été bu, une partie qui resterait comme ça en suspens. Le sang plus foncé sur un pantalon plus foncé, du coup plus rouge sur du blanc. Ouais, non, franchement, y a une gestion à ce niveau-là qui est juste incroyable. On s'en rend peut-être pas compte à première vue, mais ça rend le tout très réaliste, alors que c'est qu'une figurine de 20 cm, quoi. Ouais. Donc, franchement, je sais pas encore si j'aurai la place dans ma collègue de pouvoir avoir des figurines de Chainsaw Man. Ça va dépendre aussi de la suite et de l'engouement et de mon envie d'avoir des pièces. Au-delà de la Prime One qui coûte une cacahuète et qui est juste magnifique, ce genre de pièces-là, tu vois, tu te dis, il y a quelque chose. Clairement quelque chose. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez pour cette scale figure, du coup, 1/7 d'Aki Hayakawa, qui sortira au mois d'octobre 2023. Une grosse et belle nouvelle pour ce personnage qui n'aura, à mon avis, pas non plus 136 000 figurines de grande qualité. Donc allez voir ce que fait Mythos et dites-nous dans les commentaires. Allez, à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs, et on s'abonne. Bonne. On s'abonne.